peu. Oh, dites-moi qu'on peut mettre en Jap. Un peu. The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. En tout cas, c'est très. Il y a un délire un peu à la. Oh! Attends, du coup, je peux pas jouer pour l'instant là. Parce que j'ai ma manette, mais je sais pas si ça marche. On va prendre le gars, non? Nanda Totemé! Comment on l'appelle, les gars? Alors je disais, ça fait un peu un Tales of. Rends ma sœur. Ça me rappelle un peu Demon Slayer tout ça. Hey, listen. We should head off. Let's get going. Ah, c'est la petite peste qui va nous suivre, c'est ça tout le long. Alors j'ai un petit budget qu'on peut mettre. Oh, attaque. Putain, c'est joli par contre. Hein. Normalement j'ai quand même un bon ordi, donc vous avez une qualité de jeu qui est pas dégueu. Normalement, visuellement vous avez un truc pas dégueu. C'est joli par contre quand même. Tu vois, regarde-moi ça, c'est plus joli que dans Arceus. Oh là, je tacle! Non, mais même l'eau, elle est pas mal, hein. Oh! Pourquoi il me dit que je suis trempé? Je suis trempé! Je suis totalement trempé! On peut nager ou pas? Oh, on peut nager! Est-ce qu'il peut se noyer, par contre? Ah, est-ce que je peux le tuer? Je peux le tuer, mais je l'ai loupé, je crois. T'as viande crue. Ah non, je l'ai eu! Viande crue! Je l'ai eu, les petits lapinous! Le voyageur qui attrapa le vent. Putain, on voit loin quand même, hein! Il y a même des petits trucs qui volent un peu. Putain, t'imagines, ça me plaît le jeu. Je vais encore y jouer, je vais encore le doser comme pas possible. Ça va me prendre du temps, cette histoire. Wow, la carte est grande quand même. Ça, c'est juste au début, ça? Du coup, là, il y a une grosse ville, de ce que je vois. Putain, mais ça va là-bas encore. Mais what the fuck? C'est une blague! Il y a tous. Enfin, en tout cas, il y a des trucs de téléportation, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à là. Je pensais qu'il y avait un petit truc qui me montrerait le chemin. C'est Acnologia le truc! C'est Acnologia le machin! Putain, j'ai envie d'avancer en même temps, j'ai envie de regarder ce que je reçois, mais. Je peux pas me permettre de regarder tout ce que je reçois. J'ai vu que je recevais des cristaux. Je crois que j'ai reçu un équipement que je peux mettre à mon machin. Si j'en ai 4 après, ça peut être un bon début déjà. Après ils sont faibles, ouais, j'imagine, mais... Ah, lui aussi c'est un petit immense. Non, il est pas très fort, hein. Il est beau, putain. Il est beau, hein. Il est pas content. Hein. Par contre, si on l'affronte, il se passe quoi? Ah, on l'affronte pas? Je pensais qu'on l'affrontait. Ah, j'ai une copine. Peut-être. Oh, type feu, ça se voit là. Je m'appelle Pyrux, enchanté Amber, je pense que tu dis type feu, j'aime beaucoup ça. Quel nom étrange. Ouais, c'est mon ami, t'inquiète. Putain, j'aurais pu dire que c'est mon casse-croûte. Ça veut dire quoi, AR57? C'est le niveau de quoi? C'est un niveau, AR57? Ah, c'est un type feu, vous me confirmez? Bah après, ça se voit, hein. Elle est tout en rouge, elle s'appelle Amber, et puis elle a une ceinture de feu. Donc si avec ça, c'est pas un type feu. Maintenant, est-ce que... Il y a un délire où on pourra l'avoir avec nous, d'une manière ou d'une autre. Je te laisse faire, hein, frérot.
Oh là là, parfait. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Trop bien, ça aussi. Il y a un côté, on te laisse pas juste... Tu craftes pas la nourriture. Enfin, normalement, quoi. J'en fais combien? J'en voulais une, non? Allez, on rentre. Je pense qu'ils vont nous faire les présentations du bordel. Là, vous savez à quoi ça me fait penser? La place, le style à FF9. Alors, je sais plus dans quelle ville c'était. Dans une des villes principales. Hein. Il y avait un délire. Il y a un délire en tout cas. Ah, bah là, je crois qu'il y a Storm Terror qui arrive. Hein. Storm Terror. Il est stylé par contre. Le petit Acnologia de Genshin Impact. Est-ce que c'est un monstre qu'on va battre à un moment donné, ou est-ce que c'est un espèce de boss qu'on va jamais battre avant la fin du jeu qui n'est pas du tout prévu? Il fait le bordel quand même. La cité des vents qui se fait défoncer par une tornade. Que c'est triste. Quand même pour un mec qui vient de commencer. À mon avis, c'est un boss qu'on va affronter, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on le spam, frérot. Et on le spam, frérot. What the fuck? Moi, je pensais que c'était un gros boss qu'on avait pas à battre à un moment. Par contre, s'il m'attaque, je suis mort. Hein. Parce que je sais pas comment éviter. Oh là là, il est pas content. Bon, c'est pas un combat très difficile, j'avoue. Vise et tire. Là, je pense, tu sais, moi j'étais en mode, c'est un boss, mais tu sais, un boss, il nous montre un boss et on le bat beaucoup plus tard, tu vois. Et en fait, bon là on l'a commencé à le battre, il s'est enfui. Donc je pense qu'on va le battre bientôt. Parce que la première fois on le voit, deuxième fois on l'affronte, il est niveau 10. Visiblement. Donc troisième fois, jamais 203. Oh là là, on va aller voir la grande maîtresse. Est-ce que si c'est pas une grande masterclass, la grande maîtresse, c'est sûr que c'est pas une game. Je suis sûr que c'est une bombasse. Ouf. J'aimerais bien voir la petite magicienne. Hein. Je sais pas vous, mais... Elle a l'air très forte. Je suis sûr qu'elle est très forte.